Je sais que je suis relou avec Rochentai, on a l'impression que c'est bon, on sait le faire, sauf qu'en fait, on ne sait pas bien le faire. Là, moi, pourquoi j'insiste sur l'importance de ce mouvement-là, et surtout, je vous ai dit, coller. Là, si lui, il a envie de revenir vers moi, c'est super dur à la base. Parce que là, je lui ai une bonne session de bâtard. Là, je suis vraiment en pression, là, il n'aime pas. Hein. Et vous savez qu'il est couteau, lui, hein. Par contre, si vous êtes là en train de faire ça, bah là, il revient en 2 secondes, il va m'arracher. Là, ça, c'est un vrai contrôle, c'est pas genre, on m'a dit faire un, fais un. D'accord ? Là, je suis en 2-1, et il nous dit qu'il y a une pression avec le corps. Là, ça doit être chiant pour lui. C'est le seul mec qui se balade avec Rochi. Ce qui, au moment où il va revenir ou autre, il peut me permettre, bon, il va aller sur d'autres actions. Travailler sur d'autres trucs. Donc, Maurice, pourquoi tu ne restes pas avec nous ? Donc, faites pas le premier mouvement correct. Là, je veux de la pression. D'accord ? Et vous voyez la différence ? Là, nous, on part du postulat que le mec l'a pas encore bien, et là, j'y vais d'un coup. Donc maintenant, on va enchaîner avec le troisième mouvement. On est là. Bon, il vient vers moi. Je reste droit. Et je prends mes bras, mes mains comme ça. Cédric, jamais ça. Jamais. Ça, si ça tombe, plus de doigts. Là, je pose vers le bas. D'accord, regardez là ce qu'il veut me guillotte, tant de me guillotte. Quand je suis droit, je suis bien. Je suis là, je suis mort. Je suis là, je suis pas mort. Mon oreille est collée, coup sur point. J'appuie vers le bas, quand même. C'est intéressant comme mouvement. Là, je casse, je reviens. Fais le haut. J'ai buzzé. Pousse bas. Oui, je ne cherche pas. Ah, mais tu vois, je pousse bas. Non, j'ai essayé, j'ai gagné le coup. Ok, plus haut seulement. Allez, 10 mètres.